originaire d'Afrique du Sud, le Boer Bull, aussi appelé Boer Boel, est une race développée par les colons néerlandais à partir du Brabanté Bulambigeté, un molosse puissant et possédant des qualités de chasseur. Il a été croisé avec d'autres chiens d'origine européenne, mais aussi des races locales. Le Boer Bull a surtout été employé comme chien de ferme, avec la mission de protéger les troupeaux et la structure elle-même face aux prédateurs sauvages. Le terme Boer Boel est formé du mot Beer, qui désigne les colons néerlandophones en Afrique du Sud, et du mot Boel, qui signifie grand chien en afrikaan. Ce n'est que vers les années 1960 que les sélections et élevages sérieux ont commencé à être effectués. La race du Boer Bull n'a pas encore été reconnue par la Fédération Cynologique Internationale. Son poil, court, lisse, recouvrant une peau épaisse. Sa couleur, toutes les nuances de fauve et de bringé, avec du roux, du brun, du gris, voire des marques blanches, une petite marque sur le poitrail est seulement tolérée. Sa tête, large, plutôt courte et bien musclée, avec des mâchoires puissantes, en ciseaux de préférence. Ses oreilles, de forme triangulaire, pendantes, bien proportionnées à la tête, larges et fortes à leur base, attachées relativement haut, portées en avant lorsque le chien est attentif. Ses yeux, de couleur marron, positionnés sur la même ligne horizontale. Les paupières sont bien pigmentées. Le regard est à la fois doux et déterminé. Son corps, trapu, massif, à l'ossature et à la musculature très développée. Légèrement resserré au niveau du rein. La ligne du dos est droite, la croupe est droite, large et forte, le rein est court et fort, la poitrine est bien développée. Sa queue, attachée haut, forte à son attache, très mobile, relevée lorsque le chien est attentif ou en action. Le Boer Bull est un chien courageux, extrêmement protecteur, intelligent et calme. Il apprécie la vie de famille et sait se montrer doux à l'égard des enfants. Chien de garde par excellence, il ne tolérera aucune intrusion dans la maison de ses maîtres. Son physique imposant, son regard déterminé et ses grognements suffisent à dissuader quiconque oserait s'aventurer sur son territoire. Il n'aboie que très peu et sait analyser les situations, puisqu'il ne se montre pas agressif envers les personnes lorsqu'il comprend que son maître les a invités. Le Boer Bull mâle a tendance à vouloir dominer ses congénères du même sexe. Les chiens de cette race s'entendent, néanmoins, plutôt bien avec les animaux en général, en raison de leur passé de chien de ferme. Pour rappel, le Boer Bull est classé en France comme chien de catégorie 1 chien dangereux. Le Boer Bull est souvent décrit comme facile à éduquer. Tant que son éducation est précoce, menée de manière à la fois ferme et douce, et qu'il est suffisamment socialisé, on obtient un chien équilibré. Il réclame un bon dosage entre autorité, affection et respect. Le Boer Bull jouit d'une santé globalement solide. Sa robe est parfaitement adaptée au climat sud-africain. Néanmoins, comme pour toute race de chiens de grande taille, le risque de dysplasie de la hanche n'est jamais à écarter. Il faut également veiller à ne pas le suralimenter pour lui épargner les effets de l'obésité et les problèmes d'articulation. Le Boer Bull est sujet à 2 mues par an, avec des pertes de poils modérées. Il est très simple à entretenir de par son poil court et rustique, mais c'est au niveau de son alimentation qu'il convient de faire particulièrement attention en évitant à la fois les carences et les excès. Il est recommandé de brosser le chien une à deux fois par semaine. Le brossage devient quotidien en période de mue. L'intérieur de ses oreilles est à examiner régulièrement pour prévenir les infections et les dépôts de débris qui peuvent s'y loger. S'il est très calme en dehors de ses moments d'activité, le Boer Bull a besoin de beaucoup d'exercices pour se dépenser. De bonnes promenades quotidiennes suffisent à le satisfaire. Le Boer Bull s'adresse principalement à des maîtres expérimentés, qui sachent faire preuve d'autorité durant son éducation, sans pour autant chercher le rapport de force. Il n'est pas vraiment fait pour vivre en appartement, car il a besoin d'espace et d'un territoire lui permettant d'exprimer ses qualités de gardien. En ville, il doit être équipé d'une muselière en raison de sa catégorisation.